D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte noire et or et pesant 150,9 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black trunks with gold trim, his official weight, 150.9 pounds. En 30 combats, il a 21 victoires, 13 par KO et un verdict nul. In 30 professional bouts, his record shows 21 victories, 13 coming by way of knockout, and one draw. De Los Mochis, Sinaloa, au Mexique, maintenant résident à Los Angeles, en Californie, le champion WBC Latino des super mi-moyens. He is the current WBC welterweight Latino champion. Please welcome from Los Mochis, Sinaloa, Mexico, fighting out of Los Angeles, California, USA, Edgar Dandy Ruiz. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte bleue et blanche et pèse 148,9 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears blue trunks with white trim, his official weight, 148.9 pounds. Il est invaincu en 13 combats avec 13 victoires, 9 par KO. He is undefeated in 13 professional bouts with a perfect 13 victories, 9 coming by way of knockout. Accueillant de Québec, l'aspirant numéro 1 au Canada, the number one contender in Canada, Kevin Bizier. We've talked before the fight. I want clean fight. Obey my command at all time. Vous avez avant le combat, vous aidez mes directives, je veux un combat propre. Obéissez à mes commandes à tout temps. Touch love. Touchez les gants. Bonne chance, good luck. Alors voilà, les présentations sont faites. Edgar Ruiz et Kevin Bizier qui se raffrontent. Un bonhomme plus expérimenté à 38 ans, Edgar Ruiz, qui se présente ici, à peu près à la même grandeur. Un petit avantage au niveau de la portée pour Edgar Ruiz, boxeur pro depuis 1992, contrairement à Bizier qui commence et débute sa carrière, mais de belle façon. Alors que lui, en commençant en 2008, 13 victoires, aucune défaite pour Kevin Bizier, 9 de ses victoires par KO. Ruiz, c'est sa fête aujourd'hui. 38 ans aujourd'hui. Il va peut-être se faire un cadeau de fête ou Bizier va lui faire la fête. Donc, oh, bon uppercut de la main avant de Ruiz. Oh, 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 oh. Bizier, un contre-trocheur solide sur la montoire. A saisi Ruiz. Wow! Quelle façon d'amorcer le combat pour Kevin Bizier. Bizier qui est revenu... combattu le feu par le feu! Ouais. Ruiz qui dit qu'il était prêt à retourner. Il a été surpris par ce coup. Mais là, il revient bien. Bizier lui fait face. L'échange des coups, Bernard, c'est impressionnant. Est-ce que l'expérience de Ruiz peut le sauver? On est en début de round. S'est fait atteindre solidement. Et là, Bizier va tenter encore de lui faire mal rapidement. Encore une fois, la garde! La deuxième fois! À la tête! On parle du match que j'ai Bizier au carré! Mais là, ça fait deux fois à la tête! Il envoie son adversaire au carré. Ouais, c'était deux bons coups portés par Kevin Bizier. Est-ce qu'il va se relever à 8? Il a pris tout son temps pour se replacer. Deuxième fois qu'il va au tapis dans le premier round. Et s'il retourne au tapis, il y a un règlement ici, au Québec. Là, c'est terminé! Le crochet! Là, c'est terminé! Victoire de Kevin Bizier, de bonne façon, au premier round! Edgar Ruiz, on va ajouter une victoire et un KO à la belle fiche de Kevin Bizier. Quel bon travail de sa part. Surprise, Edgar Ruiz qui a déjà perdu des décisions contre les anciens champions du monde, Curry Spinks, Carlos Baldomi, s'est déjà battu contre l'ancien champion du monde, Vernon Forrest. Et là, terrassé trois fois par Bizier. Quand on parle de la progression de Bizier. Ouais. Mais quelle scène! T'as Edgar Ruiz qui est encore étendu à attaque, vient se faire passer le KO par Kevin Bizier. Il se relève et il est dans le coin de Bizier. Et là, il lui fait de la collade et lui dit bon travail, bonhomme. Et là, il s'en va se reposer dans son coin. Quelle performance de Kevin Bizier encore une fois. Wow. Le jeune vient de sortir le vétéran coup de pied dans le derrière. Et il lui a fait sa fête. Vous avez prévu, là, Bernard, mais c'est fait. On a vu Yvonne Michel aller dans le coin de Kevin Bizier pour le féliciter de la performance qu'il vient de livrer. Performance assez explosive et expéditive alors qu'il a envoyé pas une, pas deux, mais trois fois au tapis Edgar Ruiz. Et là, ça crée tout un problème. Deux victoires pendant quatre au premier round sur l'horaire de la soirée. Parce qu'on sait qu'on s'en va avec le réseau ESPN à 21h et qu'eux doivent absolument avoir deux combats de réserve.
Donc, on va voir comment l'organisation va s'en sortir. Et là, ben, c'est le père et le fils qui se sont fait la collade parce que c'est le père de Kevin Bizier qui est dans le coin. Regardez bien les reprises de ses coups portés par Bizier. Regardez bien le crochet qui s'en vient. Oh! Et ici, très précis au menton. Aïe, 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 beaucoup à la mâchoire directement. Et encore une fois, regardez bien Bizier comment il va faire pour assommer son adversaire. Encore une fois, crochet au menton. Transfert de poids, mouvement violent des hanches. Lâté solidement. Il y a eu des bons coups quand même de portée de Ruiz qui s'est battu, qui a tenté de survivre à ce premier round. Ruiz voulait se faire respecter, mais n'a pas été capable. Les coups de Bizier lui coupaient les jambes. Et là, c'est là que ça va se terminer. C'est fait électrocuter. Regardez bien la charge de Bizier, le bon coup encore porté. Encore sur la pointe du menton. Ça, c'était le deuxième fois où Ruiz est allé au tapis. Ça va se terminer de cette façon-ci. Un gros coup porté à la tête, le crochet de la gauche de Kevin Bizier. Le gant était mal placé pour protéger la mâchoire. Il y avait un trou et Bizier, lui, a été précis dans son coup. Je pense qu'on est prêt maintenant pour nous confirmer cette victoire de Kevin Bizier. On va le faire au cours des prochaines secondes. Et allons à l'instant maintenant à Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO à 1 minute 24 secondes du premier round. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 1 minute and 24 seconds of the first round, Kevin Bizier!